Allez, suivez-moi pour Céline, avant de continuer. Alors, première chose, allez, plus présent, pas besoin de tout nous, de toute façon, ça, c'est pas quelque chose. Let's have a campus. Allez, premièrement, un cylindre. Un bon exemple, un cylindre, c'est un drone. La roue, c'est bon. Ou ça peut être, voilà, et tout sera belle au so, this is a cylinder over here. La roue, c'est bon là. Let's have a look at the different parts that we have for a cylinder. Quels sont les différents parts? Guette bien, ça va une formule là là. C'est trop compliqué si vous apprenez à faire par rapport à vous lire. Alors, finis comprendre comment faire le montage là. Là, pour les examens, c'est pas grave, facilement, mon formule là. Donc, par contre, c'est zone à maîtriser tout ça formule là, parce qu'elle est trop beaucoup. Je vais gagner, je vais prendre la formule par rapport à ça. Ça veut dire que c'est pas comme ça que je vous explique là, de vous apprendre tout ça là, parce que. Which is not worth it. Comprends un petit bout pour vous avoir vraiment place pour tous les trois types de cylindres qui nous là. Nous discutons un petit peu qui va un différent peu de ce cylindre. De tout la coin cylindre, il y a une base. Oui. Maintenant, par exemple, comment il était circulaire. Alors, so what will be the area of the base? If the base is a circle, ça veut dire area of the circular base. Et vous parlez comment area of a circle? And what is area of a circle? Pi au square. Et bien, dans le fond, vous connaissez ça. Pareillement, un cylindre. Il y en a un. Circular surface. Toujours pareillement, qui est tombé pi au square. Because area of a complete circle is pi au square. C'est tout la roue là. Ensuite, par contre, on a sa petite là. Voilà, sa petite curve là. Which we call as the curve surface. Maintenant, ce area qui peut être. Ce area on appelle comme curve surface area. Et ce formule, c'est 2 pi au h. Good for this one là. Oui. Alors, trois choses. Area of circular base, pi au square. Area of circular surface, pi au square. And curve surface area, 2 pi au h. Good for this one. Oui. Astène de cause un good point cylinder, which is solid. And solid cylinder, c'est normalement un cylinder qui est fermé là-haut avec en bas. Par contre, un drone est capable d'ouvrir là-haut, fermé en bas. Mais là, il peut cause quelque chose qui est fermé complètement partout. Ça veut dire, it is closed at the base and it is closed at the surface. Comment ça, tu peux faire sur area? Faites-moi, je tiens une compagnie, je peux. Vous avez besoin d'un produit qui est dans sa style là, un cylinder. Maintenant, je vais dire comment ça, je peux faire produit avec un métal. Vous allez nous dire comment ça, je peux produire avec un aluminium. Allez, et comment je connais combien de produits je peux servir par container? Je vous ai calculé combien de matière peut aller là-dedans. Je vous ai calculé combien de matière peut prendre pour faire ça en bas là. Combien de matière peut prendre pour faire ça là-haut là. So, what will be total surface area? Total surface area is always the sum of all the areas of all the external parts. C'est ça qui veut dire total surface area. The total area of all external parts. Good for this one. Oui. Mais si pas une fermée. Allez, nous passons tout ça. Expliquez-nous en bas là. Oui. Solid cylinder veut dire les fermées pas une. Sinon, les mots précisément. Si pour l'examen, c'est solid cylinder veut dire les fermées là-haut, les fermées en bas. Good. Allez, nous calculons un script. De tout la peau qui est en bas là fermée, vous êtes contre vous êtes contre de tout la peau là. Allez. Mais en bas là, c'est un cercle. Pi au square. Est-ce qu'ils ont d'accord avec vous avez compte area circular, circular surface? Oui, parce que l'IFM est là-haut. Alors, another pi au square. Good for this one. Et est-ce qu'ils peuvent compte avec vous avez compte sa petite courbe là? Oui, vous avez compte sa petite courbe là. Ça veut dire que vous avez compte courbe surface area, which is 2 pi au h. C'est pour cela, total surface area, one solid cylinder, it is going to be area of the circular base, plus area of the circular surface, plus the curve part. Now, area of the circular base, c'est quoi? Là-bas, c'est pi au square. Area of circular surface. Toujours le fait qu'il y a le cercle, c'est pi au square. Et par contre, mon curve surface area se forme, c'est du pi au h. Et là, voilà. Pi au square plus pi au square, c'est 2 pi au square. Alors, c'est 2 pi au square plus 2 pi au h. Vous êtes bien saisi. Ceux qui ne prennent le son pour 3 avec moi, vous pensez que bien faire ça va nous là. Good for this one. Et par contre, volume,
ce volume, c'est pas le square. Volume, c'est quoi? C'est la holding capacity of the container. Ça veut dire que vous faites former volume, vous connaissez combien de volume vous pouvez mettre à l'intérieur. Volume, tout le temps, vous êtes à l'intérieur. Et là, tout le temps, vous êtes avec external volt. Good for this one, là, je vais comprendre les volts. Pour prendre maintenant, c'est un solid cylinder, mais qui est fermé à un seul côté. Allez, si vous avez un solide cylindre, maintenant il fait un seul côté. Par exemple, nous avons un drôme d'élo. Si vous avez calculé un drôme d'élo, ce que vous avez fait, c'est où il y a. Est-ce qu'il me compte là ou là? D'après logique, est-ce qu'il me compte là ou là? Non, mais pas là ou même qu'il me compte. Est-ce qu'il me compte? Ça veut dire qu'on dit ça qu'il y a. Est-ce qu'il me compte en bas? Oui, un drôme d'élo, c'est maintenant en bas qu'on va faire. Vous êtes tout là pour là? Oui. Alors, c'est ce qu'il me compte en bas? Oui. Ça veut dire, et l'off circular base. Et voilà. Ça, c'est pi r square. Est-ce qu'il me compte curve là? Oui. Ça veut dire, en bas avec une curve là. So, what is it going to be our center surface area? It will be a l'off circular base plus the curve surface area. Now, the circular base, c'est quoi comme formule? C'est pi r square. The curve surface, c'est pas compte, c'est pas comme formule, c'est 2 pi r h. Alors, sa formule est pi r square plus 2 pi r h. Good for this part. Oui. Et par contre, volume, c'est pi r square h. Vous avez le volume à garder, mais il n'est pas sensé. Je vais t'expliquer ça. Ceux qui ont été dans la vidéo là, dans la vidéo Cuboy, et la semaine dernière, ça veut ça, pour les temps cyclones. D'accord, c'est bon là. Ceux qui peuvent guetter, it's up to you, hein, parce que moi, pour vraiment, je vous donne moral, mais si là, c'est les décomposés, vous avez fini petit à peu près 5 mois. Maintenant, les bébés viennent tout à l'heure, car moi, nous avons petit 1 an tout à l'heure. Si vous êtes décomposé à l'examen là, vous paraissez quand même crédit dans les petits sujets, les mathématiques, mais ça veut dire que vous êtes vraiment pas paresse. Vous avez gagné 2 ans de plus, vous avez fait 5, 3 ans. 3 ans, c'est pas qu'un crédit mathématique, vous avez un sujet comme n'importe quoi, mais ça c'est que la bête, ça. Hein? You have to get a credit at least in mathematics. Donc, venez à quelqu'un pour vous, c'est un sujet plus compliqué. Vendez à nous, et n'allez cliquer aux autres, et n'allez pas cliquer. Pour ceux qui les cliquent, il y a un sujet facile, et il y a une bande de comptes qui n'est pas vraiment make sense, alors ça vous comprend. But still, si je ne passe pas toutes les vidéos, je ne vais pas vraiment préparer ça, it should be fine. Parce que vous connaissez, vous avez une bande qui n'est pas une bande vidéo là. Alors, sois conscient que si vraiment je n'ai pas accès, mais I would never forgive such a student. I have to use the word forgive because. C'est pas grave pour le son pour moi, pour ça avec. C'est pas des autres profs comme moi, mais I know at least I do teach well. Bon, vous pouvez poser bien. C'est pas grave pour un crédit 3 quand même, non? Pour 3 ans, ça quand même, vous avez un grade quand même, un crédit 3 quand même, vous avez gagné. Mais bon, bah, ceux qui me voient en distinction, c'est pas si moi en distinction eux-mêmes. Si vous avez le travail extra beaucoup par pied, là, vous pas reste beaucoup de topics. Vous avez 3 topics. Si vous avez nous reste un topic, soit 2 topics de fond 4, c'est rien ça. It's nothing. Surtout quand vous faites le pick-up, vous faites une carte, vous faites une vidéo là. It's nothing. Nous travaillons trop pour papier même ça. Même pour Admin ceci, donc à peu près, on est tout en fixe et ensuite c'est terminé. Ça va être très bien joué. Par contre, pour volume, ceux qui ne font pas une vidéo là, volume est parfait pour l'angle. Moi, chaque fois, je me disais, volume est parfait pour l'angle. Par exemple, là, allez, si vous faites un site, volume c'est quoi? C'est combien d'espace est dans l'intérieur? Allez, guette bien là, allez, vous verrez les côtés là. Il y a une quantité d'espace en nom ça là, il y a une quantité Léa. Allez, faites-moi dire, vous faites bien, c'était là. Mais est-ce que ce cas, dis-moi, qui quantité d'espace qui est non là, il peut diminuer? Non, il ne peut pas diminuer. Faites-moi une autre boîte de côte, on se met sous l'île là. D'accord, la boîte de côte, on allait, il ferme les côtes. Mettez sous l'île là. D'accord, là, à ce stade, coupe là-haut là. Est-ce qu'il quand j'étais sous lui qui me permet d'aller dans les diminuer à cause de mon couple là-haut là? Ah, c'était pour mon balèze. Et mon président, ça, il est là, moi. Il n'est pas affecté, non, ni ça. Là, quand c'est l'espace, c'est ça, quand c'est l'espace. Whatever the amount of opening is. So, this is why volume remains unaffected by the number of openings. Que de deux surfaces, il y a qui est non, il est affected. Si par contre, maintenant là, oui, en bas, donc vous avez contre pi r square, ré pi r square, plus 2 pi r h. Si par contre, que en bas, et non, pénal là-haut, si pénal là-haut, par contre, donc on que pi r square et 2 pi r h. Maintenant, il faut écrire le cylindre comme troisième section. Le cylindre est plus facile à écrire. Le cylindre veut dire qu'il peut aller en bas, il peut aller en bas, il peut aller là-haut. Un drôme vide, mais, comment on dit. Mais c'est quelque chose qui est écrire, ça veut dire qu'il peut aller ni la base, il peut aller ni surface, mais qui est là? Il y a un disque sur le piston.
C'est pour cela, de deux surfaces cellulaires, on prend le cylindre. Alors, si vous avez une surface cellulaire, vous pouvez vous faire un H. Par contre, le volume des autres est parfait. Alors, c'est l'espace par un square H. Tout est bien compris par ici là. Oui, c'est sûr que c'est ok, je bien comprends la formule là. Let me move to example 1. Et retiens le livre, Mahalia. Alors, c'est page 135, exercice 8.4. On le livre Mahalia 5. Et nous commençons avec question numéro 1. Allez, please have a look at it. In the zone, comme ça, by referring to the given solid cylinder, get me. Et dans un terme comme ça, we have two kinds of solid cylinder. Now, which solid cylinder is better? Il y a deux types de solid cylinder. Suivez avec moi le projecteur. We have two kinds of solid cylinder. N qui ferme deux côtés, avec par contre N qui est ouvert à un côté. Quand il parle de diamant non nil alors, vous dites que c'est un cylinder qui ferme deux côtés. D'accord, c'est bon là. Quand il veut dire un solid cylinder, solid cylinder, c'est pas le moins ce nom, mais c'est que c'est un cylindre qui est fermé de côté. C'est très important de connaître parce que tout doit se passer. Rest affected by number of openings. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça là? Oui? Allez, très bien. So the radius is 5, the height is 10. Now let us have a look at the curve surface area. Allez, les diamants comme ça, faire curve surface area, les diamants qui tout répond en termes de pareil. Allez, rapidement là, curve surface area. What is formula for curve surface area, vous êtes? Curve surface area, ce formule c'est? Alors, 2 pi r h, très bien. So you have radius, you have height. You need to calculate the curve surface area, which is 2 pi r h. Alors, cela vous donne 2 pi. Now the radius is 5, and the height is 10. Alors, cela vous donne 2 fois 5, qui est 10, 10 fois 10, cela vous donne 100. Alors, cela vous donne 100 pi. So this is for the curve surface area. Now for the total surface area, let us have a look at it. For the total surface area. Allez, total surface area c'est quoi? Total surface area c'est, alors c'est pas le body qui existait. So, the total number of area for all parts. Allez, c'est ça que vous dites total surface area, n'est-ce pas? L'addition de tout man components qui existait. The area. Allez, c'est tout la courbe de la surface area qui peut être un cylindre qui est which is solid. Et solid à un niveau quand il ferme pas autre. Qui peut être là? On a la base. C'est comme ça que je vais vous dire, vous avez rappelé. Oh, un solid cylindre, ça. Il peut être là, on y est, il ferme pas autre. C'est il ferme pas autre qui peut être là. On a la base, pi r square. On a surface, réopen pi r square. Comment il est arrivé là? 2 pi r square. Plus vous n'avez pas un petit curve là, petit curve, cette formule c'est 2 pi h. Ça veut dire qu'il est venu. Pi square plus pi square plus 2 pi h. Ça veut dire c'est 2 pi square plus 2 pi h. Tout est bien ces cylindres aussi là. Oui. Alors, ce qu'on est sur le PCM là, pour les solides cylindres, alors c'est 2 pi square plus 2 pi h. Allez, très bien. 2 pi square, cela vous donne combien? Alors, cela vous donne 2 pi. Now the radius is 5, leaving 5 to the square. Et par contre, 2 pi h, vous déjà allez, 2 pi h, par contre, c'est 100 pi. Alors cela vous donne combien? C'est 2 fois 25. Cela vous donne 50, alors c'est 50 pi. C'est 50 pi plus 100 pi qui vous donne un total de, qui vous donne un total de 150 pi centimètres carrés. And now for the volume part, let us have a look at it. Allez, for the volume. Volume comment dire ça? Nous pouvons avoir un statement qui a des cylindres et des volume n'est pas qui a des cylindres. Ce formule pourrait être pi r square h. Voilà. Allez rapidement. Et nous avons travaillé le tour en termes pi. À cause de ça, nous avons pi en termes pi. Radius pour compte c'est 5. Limite 5 to the square. Et mon height h pour compte c'est 10. Alors c'est 25 fois 10. Cela vous donne 250. Alors c'est 250 pi. Centimètres cubes pour la volume. Good for this one. Oui, c'est sûr que c'est ok là. Hein? Allez, très bien. Now let us have a look at the part B. Allez, pour la partie B maintenant, qui est de moi. Pour la partie B, l'île de moi height qui est 15. Voilà. L'île de moi height qui est 15 cm.
Et par contre, les deux noms curve surface area, vos curve surface area c'est combien? Vos curve surface area c'est 120 pi. Good for this one. Oui? Allez, très bien. Pour faire gamma radius, trop trop facile. Do you have curve surface area? Yes. If you have curve surface area, alors ce qu'il se doit faire, so it implies, what is formula for curve surface area of a cylinder? Curve surface area of a cylinder, c'est 2 pi your h. C'est tout d'accord avec moi là. Alors curve surface area, cela vous donne 120 pi. Alors cela veut dire que 2 pi your h, cela vous donne 120 pi. Good for this part. Oui. Allez rapidement. Qui va la raison qui me donne là? Pi pour présenter un pi. Radius, vous ne pas connaître. Par contre, mon height, je vais apprendre que c'est 15. Est égal à combien? Est égal à 120 pi. Allez, 2 pi fois 15. Cela vous donne 30 pi. Alors, cela vous donne 30 pi R. Est égal à 120 pi. Oui? Allez, rapidement, solve pour R maintenant. Mettez mon travail tout en termes pi parce que pi est beaucoup plus pi. 30 pi peut fois là-bas. Si 30 pi peut fois là-bas, de l'autre côté, il y a une division. Alors, pi est beaucoup plus pi et 120 divisé par 30. Cela vous donne 4. Alors, cela vous donne 4 cm pour le radius. Is it good for this part? Oui. Et par contre, elle est trop trop facile. Vous avez un total surface area. Allez, total surface area, ce formule, c'est quoi? Point cylinder qui ferme partout. Point cylinder qui ferme partout, voilà, les points en bas, les points là-haut. Je veux dire, c'est 2 pi r square. Et ensuite, là, pour le curve surface area, c'est 2 pi r h. Allez, rapidement maintenant. 2 pi r square, cela vous donne quoi? Allez, 2 pi r square. Alors, cela vous donne 2 pi. The radius, c'est 4. Alors, 4 to the square. Par contre, 2 pi r h, c'était mon curve surface area. Qui est défini de moins comme? Qui est défini de moins comme 120 pi. Alors, cela vous donne 2 fois 16, qui est 32. Alors, cela veut dire que c'est 32 pi plus. C'est 32 pi plus 120 pi qui vous donne 152. Qui vous donne 152 pi à centimètre carré. Get bien là, attention, c'est vraiment comme ça qu'on fait les tout réponses en termes pi. C'est parce que, évidemment, les libéraux, ça c'est en termes de pi. Et pour bon pour le volume pot, what is to be done? Allez, dis-moi, je vais voir les formules pour volume pour les cylindres. C'est pi au square h. Good for this one. Alors, cela vous donne quoi? Cela vous donne pi. Now, the radius is how much? The radius is 4, it's in 4 square. And what is the height par contre? The height is 15. Alors voilà, ça c'est notre height qui est 15. Oui? Alors cela vous donne combien par ici là? Alors 16 fois 15 c'est combien? 240. C'est 240. Alors c'est 240 pi. Now the fact that it is volume, c'est centimètre. Centimètre cube. Vous êtes bien ces logiques là par ici là? Oui? Alors, comment démarrer pour cette question-là, les deux mots height? Les aussi deux mots curve surface area. Vous prenez ce formule de curve surface area, vous regardez avec valeur de son curve surface area et les deux mots. Alors, si mon curve surface area c'est 120 pi, alors cela veut dire que tu prends your h égale à 120 pi. Good for this one. Là, voilà, on remplace h par 15, le travail, il me gagne r égale à 4. Là, pour bon, ça c'est mon curve surface area, on applique mon formule, on remplace r par 4, on remplace ici. 2 pi your edge qui était mon curve surface area et mon curve surface area par contre c'était 120 pi, you obtain this. And for the volume, you just have to use pi your square edge where R is 4, ensuite H c'est 15, alors 4 to the square fois 15, cela vous donne 240, alors 240 fois pi c'est 240 pi. Allez rapidement maintenant pour la partie C, let's have a look at it. Allez pour la partie C, par contre c'est pour un cylindre radius comme 10 cm. Et les deux mois total surface area comme 1800 pi. Voilà. Les deux mois total surface area est égal à 1800 pi. Allez, let us have a look at this one. Allez, rapidement, suivez-la. Hein. Total surface area avec vous 1800 pi. Allez, première chose qui m'a pas fait, c'est quoi là? Première chose qui m'a pas fait, les deux mois total surface area comme 1800 pi. Voilà. Ligne de moins total surface area est égal à 1800 pi. Let us have a look at it. Allez, formule de total surface area, c'est quoi ici? Pas oublier.
to the surface area affected by number of openings. Tout le temps, moi je tiens question de deux surface area. Donc, oblige à réfléchir. Qui a des cylindres ça? Il y a un close cylinder. Et puis, il y a un close cylinder, il y a en bas, il y a là-haut. Ça veut dire qu'il y a un pi au square fois 2, qui vous donne 2 fois pi au square. Et il y a sa petite courbe là, qui est du pi au. La petite courbe qui est du pi au h. Good for this point. Oui. And how much is it equal to? Alors cela vous donne un total de 1800. Alors cela vous donne un total de 1800 pi. Voilà. Cela vous donne un total de 1800 pi. Allez rapidement maintenant. Première question, je vous ai solve H. Allez rapidement ici là. C'est 2 pi, on remplace R par 10. Cela vous donne 10 sur le square. Ici, on remplace R par 10. Ça c'est H. Est égal à combien? Est égal à 1800 pi. Oui. Alors ici par contre c'est 2 fois 100. Cela vous donne 200 pi. Ici 2 fois h. Cela vous donne 20 pi. Alors 20 pi fois h c'est 20 pi h. Est égal à 1800. Est égal à 1800 pi. Voilà. Je tiens bien comprendre ça. Alors c'est évidemment comme ça que tu as fait c'est là avec vos 1800 pi. On prend ma formule de total surface area qui est 2 pi au square plus 2 pi au h, on va égaler avec 1800 pi. Par contre, on a déjà connu que R est 10, on remplace R par 10. Ici, si on remplace R par 10, comme on simplifie ça, 2 fois 100, c'est 200 pi. Et ici, par contre, 2 fois 10, c'est 20. 20 fois pi, c'est 20 pi, fois h, c'est 20 pi h, égal à 1800 pi. Good for this point. Alors, cela vous donne combien? Regardez, ici, là, on va beaucoup plus le h. Ça veut dire 20 par h pour dire 20 par h. Par contre, plus 200 pi qui vous venez avoir. Plus 200 pi, vous venez. Moins 200 pi là-bas. Alors, cela vous donne 1800 pi. On retire 200 pi. Alors, ce qui vous donne une totalité de 1600 pi. Ça veut dire que 20 par h qui fait 1600 pi. Et là, voilà, vous n'avez pas sur le h. Qui est vous venez? Et vous venez 1600 pi. 20 pi, mais fois là-bas. De l'autre côté, il y a une division. Alors, 1600 divisé par 20, pi avec pi coupé, et 1600 divisé par 20, cela vous donne 80. Is it good for this part? Oui. Alors voilà. Et bien, aussi, what curve surface area? What is formula for curve surface area? C'est 2 pi au h. De l'autre côté, du moment que je n'ai rien, je n'ai h, je suis fini complètement équipé là. The moment you have or you have h, je suis complètement équipé pour ne pas travailler votre question. Allez rapidement par ici là. C'est 2 pi. Allez, valeur R c'est combien? Valeur R c'est 10. Et valeur H par contre c'est 80. Alors cela vous donne 800 fois 2. Alors 800 fois 2, cela vous donne 1600. Alors c'est 1600 pi centimètres carrés. Et pour le volume par toujours, la formule c'est pi square h. Volume n'importe qui cylindre. Formula pour S, pi square h. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne pi. Now the radius is how much? The radius is 10. Alors c'est bien 10 to the square. Et ensuite fois h. Et valeur de h c'est combien? Valeur de h c'est 80. Alors cela vous donne 100 fois 80 qui vous donne 8000. Alors cela vous donne 8000 pi centimètres. Cela vous donne 8000 pi centimètres cubes. Good for this part. Alors ça c'est pour the volume. Ça c'est pour the volume part. Ok, it's good for this one, hein? Pas de difficulté. Allez, rapidement maintenant, par contre, là. Donc, il y a un couple la partie D. La partie D est une de moi. Volume qui est 2420 pi et height comme ça. Allez, pour la partie D. Cette fois aussi, ligne de moi, volume comme 2420 pi et ligne aussi de moi. Alors, c'est une de moi, height comme 20 cm. Voilà. Ligne de moi height comme 20 cm et ligne de moi volume par contre comme 2420 comme 2420 pareil. Et c'est très très direct vous êtes. Volume se formule c'est quoi? Volume se formule c'est pas pi au square h. Oui, volume se formule c'est pi au square h. Alors je vais dire que pi au square h combien il vaut? Je vais dire que pi au square h il vaut 2420 pi. Ça c'est ma formule, maintenant H c'est combien? H c'est pas 20.
Ça veut dire que pi r square h remplacé par va est égal à 2420 pi. Alors cela vous donne 20 pi r square. Allez, cela vous donne 20 pi r square est égal à 2420 pi. Good for this one. Cela vous donne 20 pi r square est égal à 2420 pi. Allez, rapidement maintenant, 20 pi. Allez, 20 pi puis fois là-bas. De l'autre côté qui divise. Si 20 pi puis fois là-bas, ici divise division. Alors cela vous donne r square est égal à combien? Cela vous donne r square est égal à 121. Pi avec pi coupé. Et 2420 divisé par 20, cela vous donne 121. Et là voilà, tu solves pour the value of the radius, comme on se connaît, to eliminate this square. C'est supposé faire plus et minus square root. Ici on met plus minus parce que radius cannot be negative, mais met que positive square root. You end up with your radius est égal à square root 221 qui vous donne 11. And it's very easy for the remaining parts. Toujours ce point de travail de curve surface area et formule de curve surface area, c'est 2 pi r h. Alors rapidement, je dégaine en place E avec h. Alors c'est 20 pi, et c'est 11. Et h par contre c'est 20. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne 22 fois 20 qui vous donne 440 pi. Et le fait que c'est curve surface area, the unit is going to be centimeter square. And what is the next part? So you have R. C'est bon là? Est-ce qu'il y a une rapide partie? Curve surface area, il y a un volume, il y a pas le R, il y a pas le H. Voilà, c'est bien. C'est bien tout, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est la curve surface area en total surface area. Allez, total surface area, par contre, ça va être quoi là? Allez, total surface area, c'est tout d'accord avec moi. C'est 2 pi r square plus 2 pi r h. Et c'est l'indice qui permet ça. Alors, 2 pi r square plus 2 pi r h, cela vous donne combien? Alors, c'est 2 fois. Maintenant, pi r square, c'est combien? Alors, c'est 2 fois pi r square. Alors, c'est 2 pi. R square c'est combien qu'il était? Pas besoin d'apprendre là. R square, on finit, on connaît que c'est 21. Alors c'est 2 pi. On prend R square comme 121 plus 2 pi r h. Par contre, c'est combien? 2 pi r h, on finit calculer, c'était 440 pi. Voilà, plus 440 pi. Alors cela vous donne 242 pi plus 440 pi. Alors c'est 682. Alors c'est 682 pi, toujours tout de surface area. The fact that it's area, the unit will be centimeter square. Je dis bien comprendre les aussi là. Oui. Alors c'est sûr, je dis bien comprendre le tout. Ça veut dire, anytime you're given a specific thing, et aussi quand vous êtes de quelque chose, disposez et de la barre haute, mais à vous qui m'en aide ce component. If you have radius, you have height, vous êtes capable de faire tout de surface area, vous êtes capable de faire volume, vous êtes aussi capable de faire. Curve surface area. Si vous avez une radius ou si vous avez une height et vous avez une curve surface, vous supposez faire les autres. Si vous avez une radius ou si vous avez une height et vous avez une total surface area, vous supposez faire les autres. Oui, pour ce point-là. Oui, alors ça c'était pour exemple. Ça c'était pour exemple 1 qui explique vraiment le tout dedans par rapport à ça. Et allez, just have it noted down. Allez, pour question 2 maintenant, il dit comme ça que. Allez, suivez tout là. We have a solid block. Give me a solid block. Et finir, personne comprend que cylindre là, c'est quelque chose qui est solid cylindre. Et ce qui maintenant, il dit comme ça, qu'il est ouvert à un côté. Non, il n'est pas exactement qu'il est ouvert à un côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est solid, but closed at both ends. Ça, c'est la première chose à noter. Maintenant, il dit comme ça que ce diamètre c'est 14. Allez rapidement. Si le diamètre est 14 cm, le diamètre radius c'est combien? Le diamètre radius il tombe 7 cm. Parce que le diamètre c'est 2 fois radius. Donc, so, le diamètre c'est 14, radius il faut 7. Et par contre, maintenant, ce height c'est combien? Ce height il peut tomber 20 cm. Voilà. So, the height is equal to 20 cm. Allez, la partie A. Find total surface area and volume of the block. Trop facile ça. Allez, total surface area and volume of the block. What is the formula for total surface area? Alors, total surface area, cette formule c'est
2 pi r squared plus plus particle plus particle plus sur area qui était particle plus sur area c'est 2 pi r 2 pi r h. Alors cela vous donne quoi? C'est 2 pi. Now the radius c'est combien? The radius c'est 7. Alors 7 to the square plus et 2 pi r h par contre c'est combien? Alors c'est 2 pi. The radius c'est 7 and the height par contre c'est the height par contre c'est 20. Quelqu'un ici là, il n'y a pas directement qu'il me réponse en termes pi. Ici, il n'y a pas directement qu'il me réponse en termes pi. Alors, c'est un petit peu le calculatrice. Il y a pas directement qu'il va le pi, c'est bien. Quand il n'y a pas directement qu'il va le pi, c'est bien pour l'examen. Qui me t'advise, you have to use pi on the calculator itself. Allez, rapidement, nous simplifier les choses avant. C'est 49 fois 2 là. Cela vous donne 98. Cela vous donne 98 pi. Alors pour cette partie là c'est 98 pi. Ici par contre c'est 280. C'est 280 pi. Cela vous donne combien là? 378 pi. Ça c'est exact value. Demande le calculatrice combien il fait 378 pi. 1187. Combien? 1187.5220.3. De pas le grand là. 0, 2, 3. Et donc on va leur faire ça? Non. Allez. Très bien. Et comment je vais donner tous les réponses finales, vous êtes correct to free SF. Alors, correct to free SF, vous avez 118. Mais le fait qu'il y en a 7, 7 pour faire 8 moins par 1, et vous avez 9. Et je ne vais pas oublier remplir les tests avec un 0. Alors, cela vous donne 1190 cm², correct to free SF. Good for this one, for the total surface area product. Allez, très bien. It also then to find the volume. Allez, for the volume product. Volume, c'est combien? Volume, c'est pi r square. Volume, c'est pi r square h. Allez, rapidement. Ici, c'est pi. Now, what is the radius? The radius, c'est 7 to the square. Et par contre, h, c'est combien? H, c'est 20. Alors cela vous donne combien là? 49 en 2, cela vous donne 980 pi centimètres. C'est 980 pi centimètres cubes. C'est tout d'accord avec ça là? Oui. Alors cela vous donne 980 pi centimètres cubes. Demande valeur s'il vous plaît. 3078.760801. Allez, très bien. Alors cela vous donne 3080. Centimètre cube, correct to free SF. Allez, petit, allez, pas c'est vraiment nécessaire de nous faire vite. Parce que les très répétitifs paraît comme tout à l'heure. C'est la partie big intéressante le plus. Et ça avec le cap de pot B now. Allez, pour la partie B. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Une fonde. Ça veut dire une fonde, ça c'est l'île de là. Vous êtes tout d'accord avec moi? Une fonde, une fonde, une fonde, cube. Allez, dis-moi quelque chose. Ceux qui ne veulent pas regarder une vidéo là, je comprends que tu disais melting. Quand une fonde quelque chose, nous disons comme ça, une fonde là, c'est l'eau, nous gagnons 10 grammes l'eau. Alors, c'est moi qui fais une bagole. Bagole, combien vous avez? 10 grammes même? Oh, ça se connaît. Vous êtes tout d'accord avec moi là. Oui, mais c'est la même chose. Si toutefois, anytime there's melting, there's volume. Comment cause melting, nous cause volume. Directement, on cause melting, nous cause volume. Si mon fun, ça c'est l'île de là. Mais ça c'est l'île de là, ce volume c'est combien? Ça c'est l'île de là, ce volume c'est? Get bien. Est-ce qu'il c'est 3080? Non, c'est pas 3080. Looking round. Formalité ça, 3SF. Laquelle réponse moi besoin de prendre? Ça n'a là. Mais là par contre, moi je prends ça là aussi là. Parce que la réponse plus exacte qui est 980 pi. Tout le temps, je précède une réponse et puis dans ma previous spot, c'est soit exact value, soit je précède une réponse qui est là. Longue décimale là. Good for this one. Jamais je passe les réponses finales par contre. Les réponses finales, c'est juste une formalité. Vous avez une answer. Ça veut dire tout le temps dans la melting, you have to talk about volume. Allez, on peut passer par 4-5 chemins directement. Si mon fond est cylindre, mon gain 980 pi centimètres cubes de sa matière. Je sais comme ça, il fait avec un métal. C'est une fait avec un métal, ça veut dire que mon gain 980 pi centimètres cubes de sa métal là. Maintenant, on parle de cube. Par exemple, je ne fais que d'accord avec moi. Si vous avez 7, 10 grammes, vous avez aussi, vous avez 10 grammes.
pareillement comme une fonte cylindre là. Mais on a 980 bar, centimètres cubes of ingredients là. Faut pas connaître avec qui vraiment il faire. Mais maintenant, on ne peut pas faire ça cube là. Cube là, comment ce volume vous êtes? Cube là, si ce volume vous êtes grand, 980 bar, centimètres cubes, c'est tout d'accord avec logique là. Les donnes, c'est OK. Et c'est good for all of you. Ça veut dire tout le temps ça qui me fait, comme on peut faire le truc. Et vous avez le même volume de la chose qui me faut. Si je fais un cylindre, je gagne 980 cm3 d'ingrédients. Comme vous pouvez faire un cube, mon cube, vous avez la même quantité de ce volume. Et c'est good for all of you. Alors ça veut dire qu'en d'autres, moi qui ne peux pas dire ici, là, le volume of the cube, il peut être égal à volume of, il peut être égal à volume of the cylinder. Now, what is formula for volume of the cube? Volume of the cube is L cube. And what is volume of the cylinder? Volume of the cylinder is 980 pi. Now, how do you eliminate a cube? To eliminate a cube, you have to do cube root. Vous espérez tout le monde connaît comment faire cube root. De toutes ces calculatrices type ça. What will be cube root de 980 pi? 14.5472. Alors, vous êtes tout d'accord, vous pouvez venir à l'infant edge. Cela vous donne 14.5. Alors cela vous donne 14.5 cm. Cube root, vous connaissez comment on fait là? Vous faites shift, bouton X cube. Et cube root pour Paris. Dès là, ça, 980 par là, vous êtes une bracket. Vous avez une bracket, 980 par là, vous avez une bracket. Vous êtes un simple bracket. D'accord, c'est bon, là, vous faites cube root par là, vous faites shift, bouton X cube. Après tout ça qu'elle a été, vous êtes un type d'un bracket. Vous êtes égalé comme 14.5 là. Oui, c'est sûr, c'est OK. Alors ça c'est pour question numéro. Ça c'est pour question numéro 2. Allez, bien pour question numéro 3, par contre. Question numéro 3, ça vous faites moi à la maison. Donc question numéro 3 là. L'indiamant comme ça qui est open à toilette. Allez, c'est dit open à toilette. Qui ça peut changer là? Tout à fait, c'est bien. De toute la faute, tout à fait, c'est bien. Allez, modifier là. Oui, qui ça fait qui modifie avec les deux surfaces, c'est oui, hein? C'est qui en place qui me prend un pari au square, on va plus pari au square là-haut, me prend un seul pari au square. L'indemain, il me prend un seul côté. Ça veut dire que le côté est fermé. Alors, si je prends le côté fermé là-bas en bas, alors comme vous pouvez faire les deux surfaces, c'est oui, hein? Donc, vous pouvez faire pari au square en bas là, plus sa petite courbe là qui est tout pari au edge, par contre là-haut, me prend un point de l'année parce que là-haut, il est ouvert. Ça veut dire que c'est une force. Il n'est pas pour prendre tout pari au square plus tout pari au edge, mais il peut prendre only one pari au square. Plus 2 pi your h, 1 pi your square for the base, plus 2 pi your h for the curved surface. Vous avez bien saisi les points ici là. Oui, à la fin, c'est OK. C'est rien, c'est OK. Là, je vais tout bien comprendre ça un peu ici là. Allez, très bien, ça c'est pour la partie B. Now, let us have a look at. Even for the number 4, même pour le numéro 4 aussi, je ne peux pas travailler. Alors, question numéro 3 avec question numéro 4, ça je ne peux pas travailler comme question à la maison. Donc, il y a une question numéro 5. Comme question numéro 5, ça sera avec le bracket. L'indemain qui vous a un cylindre sur radius qui A et sur height qui H. Allez, pour le first cylinder. Pour mon premier cylindre, sur radius il peut être A et par contre sur height il peut être H. Maintenant, on a un deuxième cylindre. Alors, pour le second cylindre maintenant, l'indemain comme ça que. Il y a un radius, regarde bien. Ce radius, il peut être 2 cm. Et par contre, ce height, il peut être H capital. Good for this one. C'est 2 avec H capital. Alors, c'est les amants, tous les deux, la même volume. Ah, mais c'est trop facile. Les amants, tous les deux, la même volume. Qui veut dire ça? Si tous les deux, la même volume, ça veut dire que volume of the first cylinder. Ça veut dire que le volume of the first cylinder qui dit quoi? Niveau volume of the. Niveau volume of the second cylinder. Vous êtes tout d'accord avec logique là? Oui, volume de premier cylinder, niveau volume of the second cylinder. Allez, rapidement maintenant là. Volume of the first cylinder. Allez, nous c'est venu par la formule. Quelle est la formule pour volume of the cylinder? Vous êtes tout d'accord, volume of the cylinder c'est quoi? Volume of a cylinder, n'importe qui cylinder y était, formule là c'est pi au square
formule là, c'est pi r square h. N'importe qui cylindre, alors ce volume est bouton pi r square h. Dans un premier cylindre avec deuxième cylindre, ce volume n'est pas réparé. Ce volume of first cylinder est égal à volume of second cylinder. Allez, volume of the first cylinder, formule qui était pi r square h. Alors ce qui est venu, il est pi. Now what is the radius for the first cylinder? Alors radius, il fait tomber mm, r square. Et par contre, sur height h, il fait tomber h même. Allez, on va mettre un coup de point de vue ici. Vous espérez que tout peut suivre là. Volume of the second cylinder. Allez, toujours formule c'est pi r square h. Alors pi. Now what is the radius of the second cylinder? The second cylinder, sur radius, il fait 2 r. Ça veut dire, voilà. On remplace R par 2R parce que mon deuxième cylindre, ce radius, répétons 2R, alors ce qui est éliminé 2R to the square. Et là, je n'ai pas fait faute là-dedans, j'ai oublié mes braquettes. Ce qui c'est R to the square. Volume de cylindre, c'est R square H. Avec ce pi par devant. Maintenant, moi, mon deuxième cylindre, ce radius, nous allons répétons 20. Moi, tu peux faire 20 square. Mais si ce radius répétons 2R, il faut mettre 2R en entier to the square. Après, il a multiplié par H. Alors, H, ce valeur, c'est quoi? H, par contre, il vaut H capital. Allez, rapidement, nous simplifier. Alors, R to the square, c'est R square. Ça veut dire que pi R square, H, qui vaut? Allez, 2R to the square. 2R to the square veut dire 2R par 2R. Allez, 2R par 2R, cela vous donne combien? Cela vous donne 4R square. Alors, cela vous donne 4R square, H, avec ce pi par devant. Alors, cela vous donne 4 pi. R square H. 2R par 2R, c'est 4R square. Alors 4R square par pi. 4 pi R square into H capital. Alors c'est l'examen comme ça, faire H vient sur objet en formula. Et c'est trop facile. L'examen exprime H capital en termes des autres. La deuxième, vous avez fait limite H est égal à. Si vous avez fait limite H est égal à. Allez, fait limite H est égal à. Vous n'avez pas R square H là-bas, voilà. Vous n'avez pas R square H là-bas. Ici, par contre, devant A, on a 4 pi au square. Si vous avez fait H est égal à, ça a 4 pi au square qui fait fois là. Mais vous avez une division là-bas. Alors, divisez par 4 pi au square. Vous êtes tout d'accord là? Oui, ça a 4 pi au square qui fait fois là. Mais vous avez une division là-bas. Mais c'est trop facile, regardez. Pi au square, beaucoup pas avec pi au square. Pi au square, beaucoup avec pi au square qui reste. H au 4. Ça veut dire qu'en d'autres mots, it implies que H capital libère H sur 4. Vous êtes tout d'accord par rapport à ça? Oui. Pi au square, pourquoi pi au square, on reste H lo 4. Ça veut dire que H capital libère H lo 4. Ok, it's good for this one. Oui. Le numéro 6. Quand il y a un area of the base. Area of the base, qui veut dire? Area of the base, tout là pour la base, c'est circulaire. Alors, quand on dit area of the base veut dire pi au square. D'accord, c'est bon l'intention. Plus ça veut dire area of base, vous pouvez le dire. Area of base, vous avez la base est circulaire. Ça veut dire que area, vous avez un area of the circle. Veut dire area of the base, c'est pi au square. En d'autres mots, il peut dire pi au square niveau 30. D'accord, c'est bon là, hein? Oui. C'est sûr que c'est OK pour cette partie-là. Et par contre, maintenant, passons avec question numéro 7. Donc, question numéro 7, il y a comme ça que we have a solid rectangular block. Un rectangular block, c'est quoi? C'est un cuboïde. Allez, la question numéro 7, passons à cette partie-là. Ça veut dire que vous un cuboïde qui s'assied sur une dimension, une faune. Vous êtes comme la faune. Qui nous rappelle comme la faune qui était volume. Tout le temps, moi, je trouve le mot melt down. Je suis bien fini, connaît que c'est volume. Allez, guette bien. Une faune est un cuboïde. Qui l'infait éliminer un cylindre. Pareil pour moi ici là, les typhons ça cube là, désolé, les typhons ça cylindre là, pour les capables de faire ça cube là. Ça veut dire volume of cube niveau volume of cylindre. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Oui, pareillement ici, cette fois-ci, l'infonène, un cuboid, l'infait éliminer un cylindre. Mais qui m'a pas à dire? Si mon fond ça, mon fait éliminer ça là. Ça veut dire volume de mon cylindre, niveau volume de mon cuboid. Vous êtes tout d'accord avec logique là? Oui. Alors cela veut dire quelle question ça? Question numéro 7. Alors pour question numéro 7 ici. Alors cela veut dire. Let me just put it here. Question 7. Alors
Ça veut dire que volume de mon cylindre qui m'a pas fait là, les vous pareil comme un volume de ça, les vous pareil comme un volume de ça, plus bas qui me fait que là, moi nous tombe d'accord, si mon fond est la scène, qui demande 10 grammes d'eau, vous avez aussi pour vous avez 10 grammes d'eau. Pareil, vous avez fait un cube là, pour qu'un cylindre, ça veut dire que le resulting cylindre, ce volume, il vous avez pareil comme un volume of the melted cuboid. What is volume of cylinder? Volume of cylinder c'est pi r square h. What is volume of a cuboid? Length times width times height. Let us have a look at it. Alors par contre là c'est 14 par 20 par 35. C'est 14 multiplié par 20 multiplié par 35. And what is pi r square h? Évidemment comme ça la question numéro 7. Si elle pareil comme 22 sur 7, et l'indemment comme ça qui radius ça niveau 7. L'indemment c'est pareil comme 22 sur 7, et l'indemment qui radius ça c'est 7, alors c'est 7 to the square multiplié par h. Mais c'est trop trop facile. De tout la courbe, on ne remplace pas par 22 sur 7, on remplace r par 7, alors c'est 1000 fois 7 square. Allez, je parle de moi ça va là là. Et pour 22 fois 7 ici, il y a 7 square, veut dire 7 fois 7. Il y a des 7 fois 7, coupe avec ça, c'est là. On peut se NCL 7, 22 fois 7, 154 et 154 fois H. Cela vous donne 154 H. Et pour vous, dites-moi ça, ce valeur, s'il vous plaît. 9800. Alors, c'est 9800. Allez, 154, deux fois là-bas. L'autre côté qui divine. L'autre côté divine. L'autre côté divine division. Allez, dites-moi la valeur, s'il vous plaît. 53.6. Très bien, merci. Alors, cela vous donne 53.6 cm, correct to 63. Ici, c'est 63. Alors. Très bien. C'était ça la question pour the height? Oui. C'était ça la question, alors, so, this is it for this part. Vous avez bien compris ça, petit là. Alors, la semaine prochaine, par contre. Si vous travaillez son 8, 9 et 10, guette bien là, comme deux bois. Comme deux bois pour cette partie là, ne n'est pas oublié copy back de ça. Écoute bien, si vous voulez deux bois, s'il vous plaît, je copy back de ça. Et quelles sont les questions qui vont faire là? Question 1, je vais me faire. Question 2, je vais me faire. 3, question 3. Alors, je travaille pour moi, question 3, question 4. Et je complète la différence. Je travaille question 3, question 4, et je comprends la différence. Par contre, c'est le cube cuboid, page 133, exercice 8.2. Page 133, exercice 8.2. Et page 135, exercice 8.4. 8.4, je comprends la différence. C'est le cube cuboid là, je vais corriger un petit peu avec vous la semaine prochaine.